Enchanté, mon nom est Désiré et bienvenue à cette session conjointe entre la Société géographique royale du Canada et Exploring by the Seat of Your Pants. Pour ceux qui nous joignent pour la première fois, Exploring by the Seat of Your Pants est une organisation qui intègre la conservation, l'aventure et la science dans les salles de classe et des maisons autour du monde. Aujourd'hui, nous sommes ici avec Philippe Thomas. Il va nous parler à propos de comment les oiseaux aident les scientifiques à surveiller la santé de l'environnement. C'est mon plaisir de vous présenter Philippe. Bonjour Philippe. Hello. Merci beaucoup Désiré pour l'introduction. Je vais commencer par partager mon écran. Un instant. OK. Bon, est-ce que... On commence le slideshow. Bon, OK. Est-ce que tu peux voir mon écran Désiré? Oui. Parfait. OK, donc merci beaucoup de m'avoir invité ici aujourd'hui pour une version française de Exploring by the Seat of Your Pants. Mon nom, c'est Philippe Thomas, je suis toxicologiste de la faune à Environnement et changement climatique Canada. Un toxicologiste, c'est un scientifique qui étudie les effets des substances toxiques, comme la pollution, par exemple, sur la santé. Moi, je le fais sur la santé des animaux, mais il y a d'autres toxicologues qui travaillent sur la santé humaine et la santé des plantes. Donc, c'est en gros quelqu'un, un scientiste qui étudie les substances toxiques ou chimiques et les impacts sur tout ce qui nous entoure. Donc aujourd'hui, je suis super excité d'être ici pour vous parler un programme de surveillance de l'environnement qu'on fait dans les collectivités autochtones en utilisant les oiseaux comme indicateurs de la santé de l'écosystème. Puis beaucoup de ce travail-là il est englobé par un plan d'action qui s'appelle le plan d'action du CNRA. Donc on va discuter un petit peu de ça. Donc, mon travail, pour vous situer un petit peu, je travaille pour le gouvernement du Canada. Je travaille dans le département de l'environnement pour Environnement et changement climatique Canada. Je travaille dans la branche de sciences et technologies, mais surtout dans la direction de la faune et de la science du paysage. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on donne de l'avis scientifique. On fait des études de risque, on a un focus spécial là, vraiment sur les oiseaux puis les animaux qui sont à risque, les species at risk, comme on dit en anglais, puis les oiseaux migrateurs à cause qu'ils traversent beaucoup de frontières, puis c'est un enjeu qui est vraiment plus national. Dans mon groupe, on travaille beaucoup en écotoxicologie, donc les substances chimiques et l'environnement, puis on fait beaucoup de surveillance des contaminants. J'ai d'autres collègues qui sont apparus sur Exploring by the Seat of Your Pants. Certains d'entre eux travaillent pour le Service canadien de la faune, le SCF. Eux autres se situent dans une branche séparée de la branche dans laquelle je travaille, mais c'est tous pour le même département, le département de l'environnement. Donc, un petit peu mon cheminement pour vous expliquer d'où que je viens. Je viens d'une petite communauté là, francophone à l'est d'Ottawa qui s'appelle Enrun. J'ai été élevé sur une ferme laitière qui appartenait à la famille, là, une grosse ferme laitière. Puis après mon cheminement au primaire puis au secondaire, j'étais à l'Université d'Ottawa où que j'ai fait un baccalauréat en physiologie animale, donc la science des animaux, puis entre autres le plus leur biologie puis leur santé. Par la suite, pour une maîtrise, je suis déménagé en Colombie-Britannique, à Prince-George, encore une autre petite ville dans le nord de la Colombie-Britannique, où que j'ai étudié les effets des éoliennes, de l'énergie éolienne sur les oiseaux migrateurs. Donc, qu'est-ce que je faisais, c'est qu'on avait des genres de radars qu'ils utilisent beaucoup sur les bateaux. Je les installais de façon horizontale puis verticale. Puis là, on passait nos journées puis nos soirées à compter les oiseaux puis le déplacement des oiseaux près de ces grosses éoliennes-là pour les projets. Puis ça l'aidait beaucoup des compagnies à pouvoir décider quelle éolienne qui devrait éteindre durant les grosses périodes de migration ou comment bien les construire pour essayer de minimiser les risques aux oiseaux migrateurs.
Donc, après ma maîtrise, je suis déménagé à Ottawa, où que j'ai commencé à faire plus de la surveillance environnementale sur les contaminants. Je travaille beaucoup sur les animaux à fourrure maintenant, donc les lynx, les loutres de rivière, les martres, les pécans, puis le rat musqué, mais surtout aussi comme le castor, puis d'autres oiseaux aquatiques, d'autres animaux aquatiques. Je travaille encore un petit peu sur les oiseaux migrateurs, mais beaucoup de mon travail se fait en collaboration avec plusieurs collectivités autochtones, surtout dans l'Ouest, maintenant beaucoup plus dans l'Est aussi. Puis ensemble, on décide lequel des animaux qu'on devrait faire des études, puis faire un petit peu de surveillance environnementale, des animaux qui sont importants pour les communautés, car ils sont encore trappés pour une source de... pour faire des sous, puis aussi ils sont vraiment importants pour la nourriture traditionnelle des communautés autochtones qui sont souvent desservies par les routes, que la sécurité alimentaire, là, c'est un gros enjeu pour eux. Donc, c'est souvent des communautés qui comptent vraiment sur des environnements sains pour leur survie, puis pour une bonne qualité de vie. Donc, un petit peu, là, vous pouvez voir dans les photos ici, là, en bas à gauche, c'est le Centre national de la recherche faunique. C'est un centre de recherche d'environnement et changement climatique Canada qui est à l'Université de Carleton, en Ottawa. Super bon centre avec vraiment beaucoup là, de top-notch scientists. Donc, super excité d'être là. Puis, encore, la recherche se fait. C'est des plus petits comme les invertébrés, les plantes, aux plus gros comme les ours polaires. Donc, c'est vraiment un centre de recherche qui est multidisciplinaire, puis aussi qui contient la Banque de spécimens du Canada. Donc, toute la recherche au Canada, tous les programmes de surveillance environnementale, les échantillons sont tous entreposés dans la Banque de spécimens pour toujours. C'est une banque de spécimens qu'on a maintenant. Plus, je crois, de 6 millions d'échantillons qui proviennent de toutes sortes d'animaux et de plantes. Puis, c'est aussi des échantillons qui ont été collectés dans le passé. Donc, ça nous permet de faire des analyses un petit peu dans le passé. Donc, si je voudrais savoir s'il y a eu des changements dans l'ours polaire ou dans les oiseaux marins, je serais capable d'aller dans la banque de spécimens puis de sortir des échantillons qui ont été collectés, par exemple, dans les années 1950. Donc, c'est un outil qui est super important pour notre recherche puis pour nos programmes de surveillance. Beaucoup de mon travail est fait dans l'Ouest canadien. Je travaille beaucoup dans le parc national Wood Buffalo. C'est un parc national là, qui regroupe ce qui est un des plus gros au Canada, un des plus vastes, à 40 000 au-dessus de 44 000 pieds, kilomètres carrés. Il abrite aussi le plus gros troupeau de bisons de bois du monde. La dernière aire de nidification naturelle de la grue blanche. Il y a aussi plusieurs couloirs de migration là, majeurs qui passent au-dessus du delta et des rivières de la Paix et Athabasca, qui offrent beaucoup d'endroits là, pour faire des nids pour les oiseaux et les canards. Donc, c'est super un endroit c'est un site UNESCO, un site super important pour le Canada, pour la diversité biologique aussi. C'est aussi un site qui est juste près des sables bitumineux. Donc, un petit peu plus au nord des sables bitumineux, puis des fois, la pollution et les contaminants qui se font emmener par la rivière Athabasca, qui se déverse dans le delta, dans Wood Buffalo National Park, mais c'est un enjeu qu'on travaille beaucoup dessus. Le parc national Wood Buffalo, c'est un super vieux parc. C'est un endroit super important, un des premiers gros trading posts, qu'on appelle en anglais, donc un endroit où que les premiers Européens au Canada, puis les Premières Nations, là, surtout Cree, puis Dene, puis un petit peu Métis, dans la région pouvaient faire du troc. Donc, pouvaient faire l'échange des fourrures contre de la farine puis des éléments essentiels que les communautés avaient besoin. Donc, c'est un des plus vieux postes là, de fourrure au Canada, à Fort Chipewyan. Donc, beaucoup du travail que je le fais avec les communautés. Donc, travailler ensemble, c'est super important. De s'intégrer dans la communauté de façon à pouvoir comprendre comme les enjeux locaux, de pouvoir comprendre qu'est-ce qui vraiment là, qui leur tient à cœur, c'est quoi les inquiétudes qu'ils ont, c'est quoi les questions qui se posent, puis comment est-ce qu'on peut mieux travailler ensemble
pour que moi, j'aie les données que j'ai besoin pour mon travail, mais pour que eux aussi puissent avoir de l'information qui leur sont vraiment essentielles pour continuer à vivre leur vie traditionnelle. Donc, travailler ensemble, c'est super important. Embaucher puis entraîner les gens à vraiment pouvoir faire l'échantillonnage de poissons, de remusqués, d'eau, de sédiments dans ces régions-là, c'est super important. Puis ça nous aide aussi à obtenir les échantillons qu'on a besoin pour nos programmes de surveillance. S'écouter, c'est super important aussi. Puis ça, je ne le dis pas assez souvent, mais comme des plus jeunes ou plus aînés, pouvoir passer du temps ensemble pour vraiment bien se parler puis se comprendre, puis vraiment bien comme pouvoir voir un peu la vie de leur point de vue aussi, puis les changements qu'ils ont vus au cours du temps, c'est super important. Donc, dans beaucoup du travail que je fais, s'intégrer dans la communauté, c'est quelque chose. Aller passer du temps avec les gens, c'est important, mais aussi vraiment avoir une écoute active, puis passer du temps à vraiment bien là, poser plein de questions, puis vraiment bien les écouter. Puis écouter les histoires qu'ils ont à dire aussi, c'est vraiment important pour comprendre un peu le contexte social qui vient informer surtout la science puis le design de la science qu'on fait. Les gens des communautés autochtones, c'est un des les plus vieux peuples au Canada. Ils étaient ici avant les Européens, pendant des milliers d'années, ils étaient ici. Donc, ils ont vu beaucoup de changements. Ils ont vu beaucoup de changements, puis les changements qu'ils ont vus, puis le taux de changement, puis la nature du changement, c'est de l'information qui a été communiquée des aînés aux plus jeunes, qui est passée de génération en génération. C'est du savoir traditionnel, mais du savoir traditionnel qui porte sur l'écologie ou la santé de l'écosystème qui vit dedans. Donc, par exemple, au fil des années, on a vu les forêts boréales passer à des cut blocks, qu'ils appellent en anglais, donc des régions où on coupe le bois pour en faire l'usage pour nos maisons et tout. Donc, c'est des changements qui sont pas mal drastiques. Des prairies transformées en agriculture, qu'on a besoin de soigner nos familles, on a besoin de la nourriture. Donc, l'agriculture, c'est un secteur économique super important pour les Canadiens. Encore une forêt boréale, ça, c'est des photos que j'ai prises à Fort McMurray, qui est passée à des sables bitumineux, donc des grosses mines ouvertes, des champs d'épuration, puis qui s'appellent en anglais des tailings ponds, donc des gros réservoirs d'eau usée là, qui a été utilisé pour l'extraction du pétrole des sables bitumineux. C'est des changements qu'on voit, puis c'est des changements qui sont vraiment dramatiques, puis qui viennent aussi concerner les communautés autochtones qui vivent sur le terrain, qui font face à chaque jour, puis qui vraiment ils comptent sur une bonne santé de la nature pour pouvoir être en santé eux-mêmes pour pouvoir avoir le manger puis l'eau qu'ils ont besoin. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans le travail que je fais? C'est qu'au fil des années, on a développé des outils de surveillance de la faune. Donc, utiliser des outils qu'on peut amener dans certaines communautés, qu'on peut entraîner les gens pour qu'eux puissent faire partie de la science, puissent y participer, puis puissent obtenir encore une fois l'information puis les données qu'ils ont de besoin pour répondre à leurs inquiétudes ou à qu'est-ce qui les tracasse. Donc, par exemple, ici, on voit sur cette diapo-ci, on a développé des outils de surveillance des loutres. Des loutres, c'est comme des chats, ça va toujours utiliser les mêmes sites pour déféquer. Il y a pas ça des lacturnes, des latrine sites en anglais. Donc, la loutre sort de l'eau, elle fait toujours son caca à la même place. Donc, c'est facile pour nous de retourner à ces endroits-là, puis de collecter des selles, du caca de loutre qui est frais, puis qui nous donne de l'information sur la génétique. Donc, on est capable de déterminer c'est qui le papa, c'est qui la maman, il y a combien d'enfants, est-ce que c'est des cousins, est-ce qu'il y a plusieurs familles. On est capable de voir leur mouvement, mais on est aussi capable de déterminer c'est quoi qu'ils mangent, est-ce qu'ils ont des parasites, est-ce qu'ils sont malades. Puis on est capable d'évaluer aussi le taux d'hormones dans leur selle qui nous donne un petit peu un indice de leurs conditions physiologiques, donc la santé de l'animal. On utilise souvent des outils qui sont faciles
à transférer puis à adopter dans les programmes de surveillance communautaire. Donc, par exemple, on est capable d'utiliser du poil de loutre qu'on est capable de collecter non invasivement sur une loutre avec des petits snares qu'ils appellent. Donc, on est capable de venir collecter un petit peu de poil de la loutre, puis on est capable de faire des calculs avec des études qu'on avait faites dans le passé pour déterminer, mais si le contaminant, comme dans ce cas-ci, c'est le mercure, on retrouve une unité de mercure dans du poil de loutre, on est capable de déterminer, il y en aurait combien dedans le foie de loutre, dans les reins, le cerveau, le muscle de la loutre, puis aussi dans sa diète. Donc, encore une fois, du poil qui est non invasif, on est capable de venir faire des liens avec qu'est-ce qu'on retrouve dans l'animal. On est capable aussi d'évaluer la présence ou l'absence, puis les taux de certains de ces contaminants-là dans les organes de la loutre. Donc, notre foie, c'est l'organe qui vient filtrer notre sang. Donc, quand on mange quelque chose qui n'est pas trop bon ou qu'on a besoin de métaboliser nos éléments, c'est beaucoup fait souvent au niveau du foie. Donc, on prend le foie toujours pour faire nos analyses. Puis, c'est des fois qu'on obtient des carcasses des trappeurs qui sont déjà sur le terrain. Puis, on est capable de déterminer les niveaux de certains contaminants de pollution dans les foies de loutre, un petit peu partout. Dans ce cas-ci, c'est dans la province de l'Alberta, donc non seulement dans les sables bitumineux, mais aussi un petit peu à l'ouest, plus au nord, puis même dans l'Arctique, à Reykjavik, où qu'on est capable de vraiment bien comparer la signature du contaminant ou de la pollution avec les autres signatures environnantes qui pourraient venir informer comme le contexte de la donnée. Donc, si on retrouve du mercure, par exemple, à Fort McMurray, dans un foie de loutre, comment ça se compare des luttes dans l'Arctique ou des luttes qui sont plus au sud. Donc, c'est l'information qui est super importante pour nous. Donc, tous ces outils-là, ils ont été adoptés dans un projet, un nouveau projet. C'est une collaboration qui est venue supporter les efforts des collectivités autochtones de profiter puis de participer dans des programmes de surveillance environnementale. C'est un projet qui venait, on avait développé un curriculum qui était un petit peu basé sur la science occidentale, la science qu'on fait, la science traditionnelle, mais aussi sur le savoir traditionnel des communautés dans lesquelles on travaille. C'est un curriculum qui avait été développé en partenariat avec une institution académique, puis qui a été par la suite enseigné à des étudiants autochtones dans leur communauté pour qu'ils puissent eux-mêmes pouvoir profiter des différents programmes de surveillance qui sont essentiellement dans leur backyard, près de chez eux. Donc, les objectifs du programme, c'était en autre de, c'est ça, c'était de développer puis de livrer ce programme de formation-là qui était basé sur le savoir traditionnel et ensuite sur les connaissances scientifiques. Puis, c'était aussi d'avoir un système là, d'accès à des emplois dans le même domaine puis de faciliter comme le développement des commerces autochtones pour qu'eux-mêmes puissent aller chercher de l'emploi puis pouvoir un petit peu profiter des opportunités qui sont souvent présentes avec les nombreux organismes provinciaux puis fédéraux, mais aussi avec les institutions académiques. Donc, quand on travaille avec les communautés, la première question qu'on se demande, qu'on devrait se poser, c'est toujours, c'est pas comment. Comment est-ce qu'on devrait faire de la surveillance? Mais il faut se demander quoi et pourquoi. Donc, qu'est-ce qu'on devrait regarder? Puis pourquoi est-ce que c'est important pour les communautés avec lesquelles on travaille? Donc, c'est vraiment de l'information qui est nécessaire puis qui vient vraiment bien informer le design de nos programmes de surveillance environnementale. Donc, comme vous pouvez peut-être constater, qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on vient utiliser des bioindicateurs. Donc, un bioindicateur, c'est un animal, un organisme qui vient nous renseigner sur la santé de l'environnement. Donc, par exemple, vous avez déjà entendu le canari dans la mine, donc dans les mines de charbon. Jusque dans les années 1980, on utilisait beaucoup les canaris, on les emmenait dans les mines avec nous. Puis, quand le canari mourait, on savait qu'il y avait du gaz toxique, à cause sont plus sensibles
à ce gaz-là que les humains. Donc, tous les mineurs, ils pouvaient tous sortir de la mine en santé, sans perte de vie. Puis, vraiment, la mort, c'est dommage, du canari venait informer la présence ou l'absence de ce gaz toxique-là. Donc, qu'est-ce qu'on vient de faire? Qu'est-ce que je viens de vous présenter dans les sables bitumineux? Travailler avec les luttes de rivière, identifier, tu sais, le quoi, puis le pourquoi, qu'est-ce qu'on devrait faire de la surveillance dessus? C'est vraiment utiliser des bio-indicateurs, identifier des espèces animales qui peuvent venir nous donner de l'information sur la santé de leur environnement. On utilise toutes sortes de bio-indicateurs. J'ai parlé de la lutte un petit peu, mais on peut utiliser des plus petits comme des diatoms, du plancton, les petits invertébrés, les amphibiens, jusqu'aux plus gros. Donc, vraiment, quand on sélectionne un indicateur, un bon bio-indicateur, c'est qu'on doit s'assurer qu'il peut venir nous renseigner sur la santé de l'environnement, qui est important aux personnes avec lesquelles on travaille, puis aussi qui peut répondre au changement de l'environnement. Donc, les bio-indicateurs, au fil des années, sont venus nous renseigner sur toutes sortes d'écosystèmes, dans toutes sortes de systèmes sous différents stresseurs. C'est toujours là, la question là, au début, là, c'est de déterminer le quoi qu'on devrait se concentrer dessus ou qu'on devrait étudier. Mais c'est ça ici, c'est la sélection des bio-indicateurs. Donc, finalement, ça nous apporte au Saint-Laurent. Donc, un petit peu les outils, puis ma philosophie de travailler avec les communautés, puis avec les gens dans l'Ouest, puis aussi dans l'Arctique, ça m'a vraiment ouvert la vue à comment est-ce qu'on peut faire la science de façon un peu différente. Dans le contexte du Saint-Laurent, le Saint-Laurent, c'est un trésor, je trouve. C'est un cours d'eau là, super important au Canada. 90 ou 80% de la population du Québec longe ou se retrouve près du Saint-Laurent, donc l'estuaire, le fleuve, le golfe. 90% de la population au Canada se retrouve dans le corridor là, des Grands Lacs jusqu'au Saint-Laurent. Donc, c'est un cours d'eau qui, pour la biologie des animaux, super important. On y retrouve des baleines, la migration de baleines, de toutes sortes de poissons, d'oiseaux coloniaux, d'oiseaux nicheurs. Super important pour la biodiversité, mais super important aussi pour notre économie. Il y a beaucoup de transports maritimes qui se fait au long du Saint-Laurent. Il y a beaucoup d'industries agricoles au long du Saint-Laurent. Il y a une industrie pétrolière, minière. Donc, c'est vraiment le Québec, l'Ontario, là, ça recèle d'une ressource naturelle là, incroyable. On y en retrouve beaucoup. Donc, il y a quand même un potentiel assez important de contamination du Saint-Laurent. Nos activités le long du Saint-Laurent peuvent vraiment venir nuire, des fois, à la santé de cet écosystème-là, super important. Donc, en réponse à ceci, ça fait maintenant plusieurs années, on a le plan d'action du Saint-Laurent. Donc, le plan d'action du Saint-Laurent, c'est vraiment un partenariat entre les gouvernements provinciaux, fédéraux, mais aussi avec plusieurs autres organismes partenaires, différents individus, différentes municipalités. Il y en a au-dessus de 100. C'est un plan d'action qui vient vraiment bien gérer, puis vraiment essayer d'avoir une approche un petit peu plus structurée à la surveillance environnementale qu'on fait. Donc, c'est au-dessus, ça s'élonge sur 264 km de littoral. Ça l'amène ensemble différentes municipalités. Il y en a 19. Il y a un conseil aussi là, avec 24 membres élus qui inclut aussi une voix autochtone. Il y a un représentant autochtone sur le conseil du plan d'action. Donc, c'est vraiment un programme là, de surveillance de l'état de l'environnement au long du Saint-Laurent. Donc, les grands enjeux du plan d'action du Saint-Laurent, vraiment, c'est de venir regarder à l'érosion, la submersion côtière. Il y a un gros volet sur la qualité de l'eau, puis la contamination de l'eau, l'accès au Saint-Laurent et les marinas, puis les ressources naturelles et les écosystèmes. Donc, c'est les quatre vraiment gros enjeux du plan d'action du Saint-Laurent, qu'il y a plusieurs organisations là, qui viennent ensemble pour apporter différents projets pour vraiment s'assurer que le Saint-Laurent est bien protégé, puis qu'il est bien conservé pour les générations présentes et futures.
Donc, qu'est-ce qu'on fait, Environnement et changement climatique Canada, au sein du plan d'action du CELAN? C'est qu'on utilise des oiseaux comme des sentinelles. C'est des bio-indicateurs de l'état de l'environnement. Donc, notre mission au fil des années, c'est d'évaluer les impacts des contaminants, des autres stresseurs, j'ai parlé de l'industrie minière, de l'industrie agricole, sur la santé de la faune et des écosystèmes du Saint-Laurent. Les oiseaux coloniaux sont super intéressants. Ils sont souvent utilisés comme indicateurs de l'état et de la contamination de l'environnement parce qu'ils sont aussi un maillon là, important là, de la chaîne alimentaire dans ces écosystèmes. Il y a différentes espèces d'oiseaux aquatiques, d'oiseaux coloniaux au long du Saint-Laurent. Ils ont différents régimes alimentaires. Qu'est-ce qui arrive, c'est avec les oiseaux qui, des fois, qui sont dans les niveaux trophiques, là, la chaîne alimentaire plus haute, c'est plus des carnivores. Ils vont avoir souvent tendance à accumuler beaucoup plus de pollution que d'autres oiseaux qui se nourrissent sur des invertébrés ou sur des petites bébêtes là, à des niveaux trophiques plus bas. Donc, ce fait-là nous aide vraiment à développer là, des idées de surveillance pour de pouvoir déterminer là, comment que les contaminants et la pollution bougent dans la chaîne alimentaire si on compare un oiseau qui se nourrit sur de la faune un petit peu plus à bon niveau trophique que ceux-là qui se nourrissent sur des poissons. Les oiseaux sont aussi super faciles à voir, sont faciles à identifier, puis sont faciles à échantillonner, surtout durant la période des pontes. Ces données-là, ils nous sont utiles à nous parce qu'ils viennent nous informer sur notre état de l'environnement, sur l'évolution de l'environnement, puis sur les risques pour les humains. Parce que beaucoup, encore une fois, ces oiseaux aquatiques-là, puis les oiseaux coloniaux, sont non seulement importants pour la science, pour notre science, pour les programmes de surveillance, mais sont aussi super importants comme source de nourriture pour les communautés inuits de la côte nord du Saint-Laurent qui viennent collecter beaucoup des œufs de goéland, de sterne, puis de d'air à duvet pour la consommation. Donc, depuis 1996, sous le plan d'action de Saint-Laurent, on a, par exemple, utilisé les œufs de grains ronds. Puis les œufs de grains ronds, on les récolte à chaque 5 ans, plusieurs colonies, y compris Manawin, Corossol, l'île Corossol à Sept-Îles. Puis vous pouvez voir aussi sur les photos, là, les arbres sont super hauts, puis les nids sont... Moi, j'aurais super peur de grimper dans ces arbres-là, mais ils sont tout à fait au sommet des arbres. Puis qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on, durant la période des pontes, on est capable d'avoir accès aux nids en grimpant l'arbre, puis on est capable de collecter un œuf du nid pour pouvoir le casser puis venir analyser les taux de mercure, de contaminants organiques, de pesticides qu'on utilise dans nos champs agricoles, mais aussi des niveaux de cortisol qui est le stress dans la maman. Donc, on est tout capable de venir obtenir de l'information sur la qualité de l'œuf, donc les contaminants dans l'œuf, mais aussi sur la santé de la maman, qui est quand même assez intéressant. Il y a beaucoup d'autres programmes de suivi d'incontaminants dans les oiseaux dans le Saint-Laurent. Le goéland argenté, par exemple, c'est une espèce, encore une bonne espèce bio-indicatrice. On l'a utilisé pour le suivi des contaminants dans les Grands Lacs en Ontario, par exemple, depuis plus de 30 ans. Puis on l'échantillonne aussi à l'île Corossol, à cette île. Donc, ça nous donne l'opportunité de comparer la pollution, par exemple, à Sept-Îles avec celle dans les Grands Lacs depuis les 30 dernières années. Donc, on est capable de venir voir l'évolution des taux de pollution dans les cocos de goéland argenté au fil des années, puis aussi à différentes colonies là, au long du Saint-Laurent puis dans les Grands Lacs. On voit ici sur les photos d'autres oiseaux aquatiques qu'on utilise comme un assez commun, là. Donc la sterne pierre-garin, le cormoran aigrette, le macrumoine, c'est tous des exemples d'autres oiseaux aquatiques qu'on a utilisés dans le passé pour plus ou moins répondre aux mêmes questions. Donc, nos méthodes d'analyse, encore une fois, c'est on n'échantillonne pas les parents, on échantillonne les œufs. Pourquoi les œufs? À cause qu'il y en a toujours 3-4 dans un nid. On sélectionne un œuf dans la ponte, c'est souvent un risque assez minime.
Souvent, certains oiseaux aussi, si tu collectes un œuf à la première ponte, il va souvent avoir une deuxième ponte plus tard. Donc, l'impact de la population il est vraiment bas. Puis encore une fois, les contaminants dans l'œuf viennent vraiment bien renseigner l'état de l'environnement. Puis les contaminants de l'environnement qui ont passé par la maman pour être déposés dans les œufs. Donc, on récolte des œufs de plusieurs espèces d'oiseaux périodiquement. Donc, vous pouvez voir les œufs de grains ronds, il y a un nid de goéland argenté, un nid de grains ronds ici à droite. Puis dans ces cocos, on analyse le mercure, les métaux comme on va dire l'arsenic, le cadmium, d'autres métaux lourds, des composés organiques, des pesticides, des retardeurs à flamme. Donc, c'est toute une suite là, de différents contaminants qu'on analyse au Centre national de la recherche faunique à Ottawa, qui viennent encore une fois nous renseigner sur l'état de l'environnement, puis sur aussi les stresseurs de l'environnement. Donc, si on retrouve au fil des années de plus en plus de certains pesticides, on sait que ça vient peut-être du milieu agricole, puis on sait que peut-être que le pesticide, donc, il rentre la chaîne alimentaire par l'eau, puis qu'il va peut-être dans les petits poissons. Donc, ça vient la nature. Du contaminant vient vraiment bien renseigner la source de la pollution. Donc, ça nous aide après, par la suite, à pouvoir suggérer là, des façons, des méthodes qu'on pourrait venir atténuer ou réduire le risque à l'animal en sachant d'où vient le contaminant. Donc, voici un petit peu en outre la localisation au fil des années là, des sites de récolte au long du Saint-Laurent, donc de l'île d'Aden au sud-ouest de Montréal jusqu'à l'île Sainte-Marie, là, près de la basse côte, sur la côte nord là, du Saint-Laurent, Québec. Plusieurs îles, plusieurs différentes espèces, des hérons au sterne, à l'éider à duvet, au fou de bassin. On en récolte beaucoup. Ce n'est pas toujours à chaque année, c'est souvent 2, 3 ans, même aux 5 ans. Puis c'est en ayant comme un design avec des sites le long d'un genre de gradient de contamination qu'on est capable de vraiment bien déterminer, encore une fois, les sources et la nature de la pollution qu'on mesure dans les œufs. Donc, par exemple, si on regarde le mercure. Le mercure, c'est un contaminant, puis on entend souvent parler pour si vous avez déjà fait de la pêche, puis vous savez des fois que votre papa il dit on ne peut pas garder plus qu'un ou deux poissons, mais c'est à cause que souvent, il y a du mercure dans certains poissons que si on en mange trop, ça pourrait nous rendre malade. Donc, le mercure, c'est un agent qui est neurotoxique, qui n'est pas bon pour notre système nerveux. Donc, il est vraiment bien réglementé dans l'environnement. Donc, on veut s'assurer que le mercure ne rentre pas dans la chaîne alimentaire et qu'il ne vienne pas aussi rendre les animaux malades. Donc, ici, au fil des années, de 1991 à, je vous montre des années jusqu'à 2011, on peut voir que à différents sites au long du Saint-Laurent, le fleuve, l'estuaire puis le golfe, que les taux de mercure au fil des années, il a diminué. Donc, ce taux de mercure-là, il a toujours été en dessous du seuil de toxicité. Le critère de consommation, là, c'est qu'on ne devrait pas consommer des œufs passés là, le 0,5 là, ici, là en haut. Donc, c'est toujours en dessous de ces seuils de toxicité-là. Puis, au fil des années, c'est que le mercure il a diminué dans les œufs de grains ronds, qui est une bonne nouvelle. Donc, c'est ça qu'on aime voir, que les taux de certains polluants ils diminuent au fil des années. Dans les œufs de goéland argenté de l'île Carrousel à Sept-Îles, même histoire. Donc, au fil des années, on remarque vraiment une diminution du taux de mercure dans les œufs de goéland argenté. Puis, c'est des œufs, encore une fois, qui sont communément consommés par les communautés innues là, de la côte nord du Saint-Laurent. Un autre enjeu aussi, quand on parle du mercure, c'est les barrages hydroélectriques. On n'y penserait pas, mais quand on vient construire un barrage hydroélectrique, on vient inonder une grande partie là, du réservoir d'eau qu'on a besoin. Puis toute la végétation, les arbres, ils ont du mercure dans leur tissu. Tu sais, c'est les plantes, la végétation, c'est vraiment bon à venir absorber puis
les taux de pollution, mais qu'est-ce qui arrive, c'est que quand que tu brûles ou que tu le décomposes, comme dans le cas d'une inondation, tu le recouvres d'eau, puis ça décompose dans le fond de l'eau, ça vient relâcher le mercure dans l'environnement. Puis non seulement, c'est que des fois, il y a des conditions environnementales qui viennent rendre ce mercure-là plus disponible pour les animaux. Donc ici, on a le gros projet de la Romaine, c'est un projet hydroélectrique énorme avec un gros bassin d'eau. Donc c'est en opération maintenant, ça vient peut-être juste de terminer la construction 2021-2022. Sinon, c'est prêt. Puis qu'est-ce qu'on vient faire? C'est qu'on vient surveiller, encore une fois, les taux de mercure. Ça, c'est au nord, sur la côte nord du Saint-Laurent, près du golfe du Saint-Laurent, près d'un parc national, le parc national de l'archipel de Mingan. C'est un parc là, super incroyable. Puis si vous n'avez jamais été, je vous donne des gros conseils d'y aller. J'étais à plusieurs parcs. Celui-ci, là, tant qu'à moi, c'est un des plus beaux. Pour ceux et celles qui ont vu la grenouille et la baleine, là, ça a tout été filmé à Mingan, plus près du Havre-Saint-Pierre. Puis dans mon enfance, c'était vraiment un des films là, qui m'avait j'avais le plus. Puis pouvoir travailler là, dans le parc national de l'archipel de Mingan, c'est un gros plaisir. Puis la rivière Romaine, c'est la rivière qui ont fait le gros barrage, puis que vous pouvez réaliser là, qu'il y a un potentiel là, de décharge de mercure dans un parc national. Donc, encore une fois, si on regarde les œuvres de Gouin Argenté à Mingan de 93 à 2017, ça n'avait pas trop changé. On avait déjà des données dans notre banque de spécimens. On avait déjà récolté des œufs de ces oiseaux, ces bioindicateurs-là, à ces sites. Au fil des années, donc ça nous donne encore l'opportunité de venir voir c'était quoi les niveaux de mercure dans le passé, puis après que le barrage vient opérationnel, puis qu'on expecte les taux de mercure de grimper dans l'environnement, est-ce que ça va se traduire en mercure plus élevé dans les œufs? Dans les œuvres de Stern Pierre Garin, l'indice de toxicité, là, si je disais avant, c'est passé un certain seuil, on ne devrait pas les manger. Mais on voit là, la ligne rouge, là, les grosses barres là, qui sont par-dessus la ligne rouge à 0,5. C'est dans les îles de la Madeleine en l'an 2000, près de Montréal, vois-tu, on l'a dépassé deux fois. Donc, on a souvent les grandes villes, on vient souvent relâcher plus de contaminants, c'est normal, il y a juste plus de gens, plus une grosse concentration d'impact, puis ça vient influencer un petit peu les contaminants qu'on retrouve dans les œufs. Mais à Mingan, encore une fois, près de la Romaine, on remarque que les taux de mercure sont vraiment bas. C'est encore une fois des données, même si c'est juste 93 ou 2017, c'est des données qui sont super importantes parce que si il va avoir des changements du mercure dans les œufs à cause du barrage de la Romaine ou à cause de d'autres enjeux locaux, mais on va pouvoir les déterminer en ayant ces résultats-là préliminaires. Et dans la réduvière, une espèce qui est super importante, qui est chassée souvent là, par de nombreux chasseurs innus. Les œufs sont souvent mangés. Donc, c'est un autre bioindicateur qu'au fil des années qu'on a collecté des échantillons pour venir répondre aux inquiétudes, là, aux enjeux locaux des communautés avec lesquelles on travaille. Donc, la collecte d'œufs, la collecte d'animaux aussi, des chasseurs, des communautés innues, c'est un outil qui est super important puis qui est facile à adopter parce que les gens sont déjà sur le terrain en train de pratiquer de la chasse. C'est facile pour nous d'obtenir des échantillons des chasseurs. Puis c'est un outil là, qui vient vraiment bien renseigner notre science occidentale ou notre science de surveillance environnementale, puis aussi les inquiétudes que les nations innues, dans ce cas-ci, qui ont sur la côte nord du Saint-Laurent, tant qu'au taux de contaminants dans les aliments traditionnels qui sont fréquemment consommés par la communauté. Donc, sur ceci, je veux dire un gros merci à tout le monde, toutes les communautés innues, autochtones qui ont contribué à mon travail au fil des années, toutes les agences provinciales, territoriales, fédérales, toutes les académiques, les NGOs, puis toutes les autres gens là, qu'au fil des années sont vraiment venus supporter le travail qu'on fait. Puis, c'est pour moi, là, c'est un gros plaisir là, de pouvoir travailler avec des gens qui sont passionnés par la santé de l'environnement puis par qu'est-ce qui les entoure. Donc, merci beaucoup. Ouh, merci à toi, ça c'était très intéressant. Alors, j'ai quelques questions.
Est-ce que les communautés autochtones étaient prêtes à travailler avec vous tout de suite ou est-ce qu'ils étaient hésitants un petit peu au début? Oui, c'est une bonne question. Donc, il y a toujours un petit peu d'hésitation. Ce n'est pas une surprise que souvent les communautés autochtones au Canada y ont été desservies. Donc, il y a vraiment un manque souvent de confiance. Mais en passant le plus de temps possible à s'intégrer dans la communauté, qu'est-ce que j'ai dit au milieu, puis qu'est-ce qu'on essaie de faire, par exemple, dans l'Ouest? Puis aussi dans le Québec, obviously, c'est de s'intégrer, de pouvoir bien parler, c'est de former des liens, puis de se renseigner sur les enjeux locaux de la communauté. Ça vient vraiment comme bâtir la confiance entre nous, puis la communauté, ça vient bâtir le partenariat. Puis par la suite, c'est là qu'ils sont un petit peu plus contents aussi à participer. Mais quand on offre comme de l'entraînement ou qu'on offre des possibilités d'emploi, puis qu'on les emmène avec nous sur le terrain, puis des fois même ils nous suivent dans les labos pour voir comment est-ce qu'on va analyser les tissus ou les œufs, mais encore une fois, ils ont plus de confiance dans non seulement le scientiste qui est venu passer du temps puis qui a essayé de comprendre les enjeux locaux, mais aussi dans les données, parce que là, ils comprennent, OK, comme tu sais, je suis allé avec Phil, puis on a homogénéisé un œuf, puis on a fait ci, puis on l'a mis dans la machine. Puis donc, ils viennent un petit peu plus comprendre qu'est-ce qu'on fait avec l'échantillon, puis comment est-ce qu'on a obtenu la donnée. Donc, quand vient le temps de pouvoir communiquer les résultats, c'est souvent un petit peu mieux digéré par les communautés. Comment est-ce que leur connaissance de la terre ou la région, est-ce que ça a aidé pour éclairer la science que vous faisiez? Mais encore une fois, c'est super important. Donc, on ne s'inquiète pas trop sur comment est-ce qu'on devrait faire la surveillance, mais en premier, c'est quoi qu'on devrait surveiller, puis c'est où qu'on devrait faire la surveillance, le programme de surveillance. C'est des questions qui sont super importantes. Donc, ce savoir traditionnel-là, donc les aînés dans les communautés qui ont vu au fil des années certains caribous disparaître de certaines régions qui étaient super productives, ou les aînés qui ont vu des poissons là, de plus en plus petits ou avec plus de tumeurs ou de malformations. Mais c'est tout de l'information qui sont super importantes parce que ça vient nous aider à déterminer, mais c'est quoi qu'on devrait surveiller, tu sais, c'est où le problème, puis c'est ça, c'est à quelle location sur leur territoire traditionnel est-ce qu'on devrait le faire. Donc, c'est encore une fois, pour le design de la science qu'on fait, c'est super important. Combien de temps est-ce que vous faites la surveillance par rapport au labo ou dans un bureau? Ah, C'est sur difficile de prendre. le terrain, ben, my goodness, si je pourrais, j'ai des jeunes enfants aussi à la maison, c'est toujours plus difficile de partir, mais tu sais, dans un labo, tu sais, peut-être, je dirais pour moi, là, 6 semaines peut-être partie, puis je dirais la moitié dans mon bureau, peut-être. 30 %, puis un autre 30 % peut-être dans un labo. Donc, c'est un bon mix. J'avais déjà fait du consulting pour les grosses compagnies, puis eux autres, c'était juste du terrain. Puis être dehors, là, toujours, c'est le fun, c'est super le fun, mais après, après que tu fais ça pendant des années de temps, que tu es toujours, toujours dehors, tu aimes ça des fois un petit peu de travail de bureau, un petit peu de travail de labo. Donc, je trouve que le travail, en tout cas au gouvernement, ça apporte un bon mix de labo, de travail sur le terrain, de meeting, puis de travail en bureau. OK. Est-ce qu'il y a quelque part à Canada ou dans le monde que tu aimerais faire la recherche que tu n'as pas encore eu la chance de travailler? Ah, oh, wow! C'est une bonne question. J'aimerais super ça. J'ai commencé un petit peu à m'intégrer dans certains programmes au Nunavik, dans le nord du Québec. J'essaie de mettre en place, là, ils ont un gros programme là, de Wardens, donc c'est un petit peu les Indigenous Guardians. Donc j'essaie de m'intégrer là-dedans un petit peu. Le Nunavik, le nord du Québec, là, je pense que c'est une région absolument incroyable, puis c'est une région que j'ai jamais été. Donc avoir l'opportunité là, de peut-être faire un petit peu de travail là, ça serait parfait. OK. Combien de scientifiques travaillent environ en même temps quand vous êtes dans le terrain pour faire la surveillance? On est souvent tout seul.
Je suis presque toujours toute seule. Souvent, je vais travailler. Quand c'est vraiment plus occupé, je vais avoir quelqu'un avec moi comme un technicien qui peut venir m'aider. Mais encore une fois, avec comme des budgets limités, puis limités en frais de voyage, j'essaie surtout d'engager des personnes, des communautés autochtones avec lesquelles je travaille. Donc, c'est souvent, je vais avoir peut-être un trappeur ou un chasseur qui est prêt ou qui n'est pas trop loin. Souvent, je suis seul. On est quand même des petites équipes, on n'est pas beaucoup au Canada. Donc, dans mon groupe, on est une douzaine de scientifiques vraiment qui travaillent là, de coast to coast to coast, là, partout au Canada. Donc, on n'est pas beaucoup. OK, ça c'est fun. Est-ce que tu as un animal préféré pour étudier? Tu as parlé de beaucoup, alors est-ce que tu aimerais un plus que d'autres? Ouais. La lutte de la rivière, j'ai fait mon doctorat sur la lutte. J'ai fait beaucoup de travail dans les sables bitumineux sur la lutte. Je trouve la lutte de la rivière est super cute. Puis est vraiment comme c'est un animal là, qui aime super se jouer, qui a des grosses familles. C'est un animal là, que je trouve que quand tu les observes en nature, il y en a qui sont stressés, mais on dirait qu'ils aiment juste être sur le bord de la rivière avec d'autres petites luttes. Là, on dirait qu'ils sont juste enjoy life. J'aime super les luttes. Donc, ce serait peut-être mon animal favori à travailler avec. Oh, c'est très cute. OK, une dernière question. Est-ce qu'il y a quelques projets de science citoyenne que les gens peuvent se joindre pour mesurer les contaminants dans leur région? Tu as parlé de quelques-uns, mais. Oui, mais écoute, il y en a souvent plusieurs. Tu sais, des plus petits au niveau municipal ou plus gros au niveau national. Tu sais, si vous êtes vraiment intéressé de participer dans certains programmes, vous pouvez faire un suivi avec moi par courriel. Peut-être que Joe pourrait mettre mon courriel sur Exploring by the Seat of Your Pants. Puis si vous êtes intéressé, je pourrais vous aider à en identifier quelques-uns dans vos communautés que vous pourriez vous impliquer dedans. Mais oui, il y en a beaucoup au Canada, puis dépendamment aussi où vous vivez, si je peux vous aider à en trouver. Oh, ça, c'est très gentil. OK, je pense que ça, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour nous joindre. Bienvenue, merci beaucoup. Bonne journée. Enjoy your day. It's beautiful. I thought it was supposed to rain today. All right. OK, Okay. merci beaucoup. Bye-bye.